notez bien cette date, le 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. Je suis allé, moi j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine, je suis marié. Vous avez pensé au mariage après moi. Et le commandant dit qu'il y a un mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Des dragons, 5-6 ans à stade, tiens à centre. Bon, je suis en train de bala, 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 bala. Tant que Dieu ne m'a rien dit, non, bala dit. Moi, j'écoute Dieu, c'est pas toi que j'écoute. Je vais pas me marier pour te faire plaisir. Non, bala, m'kolo ngamoko na kolinga na bala, m'kolo nzamba kobisanga bala na bali. Sok na bala na 90 ans, ya yezani na ka. Mwana mama, kobuka na te yoka lisolo e. Mama Justinovitz, yene coach ya loposo ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traite ba tempo, banduta. Babo kona nenge na nenge oepesa ka mbindo pe bo soto na kati ya nzoto na bino e. Loko la poche des yeux, ride na elongi. Vieissima, o profite na cash ne okoma kobo melongi. Okoma koke la nzoto na osoni. Kobuka na te, lukaka ka mama Justinovitz. Okozonga leke leke, mwete mwete, ku mama na ngaye. Babi mama Justinovitz azo soigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino. Yo muto betela batampo, esala keza mvete si lakate, elonye nzuluka, ekoma loko mbatume na depo makala. Yaka pote bi dokte azaka kamoko, kocha azaka kamoko, kozoye eza nango fasil. Azape na Facebook, WhatsApp, basit nyonso internet, soki yo lingozo wa produ na e, livraison partout dans le monde. Tobeta www.justinovitz.com. Azoce à la paix intuitive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Mais après, les histoires de chemise, tout ça, mariage, pourquoi bal raté, je pense que... C'est aussi ça. Bien sûr. Si on se tombe, on n'a pas la même chose que comme moi. Oh. Bon, comment ça va, Bongo? Quelqu'un se voit dans mon bois, non. Toi, il marche dans la table. C'est vrai. Ouais. Bon, c'est bien. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes, mais il y a des choses qui doivent venir aussi dans le temps d'ango. Je pense qu'il ne faut pas faire les choses dans la précipitation, juste pour le plaisir de gens. Vous voyez, nous, on a compris qu'il ne faut pas faire un seul pas sans entendre la voix de Dieu. Vous voyez, il ne faudrait pas que les gens disent encore à Bali, à divorcer Yéwana. Les jours où il y aura un divorce, et ça sous ma quelle est la toile. Vous voyez, moi je pense qu'il faut se marier parce que c'est le temps de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas très têtu, mais quand il y a un stade de martyr, il y a un centre. Je vais supporter la Renaissance, il y a Vita, il y a Imana, il y a Mazembe, il y a Tsangabalende, il y a Dragon, il y a 5-6 ans à stade. Il y a un centre. Bon, yes, banjo wololanga, bala, 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 bala. Tant que Dieu ne m'a rien dit, non, bala dit. C'est ce que les gens doivent savoir. Donc c'est une manière de parler à tous ceux qui font de bruit à la télé,
à la radio, sur internet. En fait, vous perdez votre temps. Donc, toi, tu penses vraiment que je vais me marier parce que toi, tu as fait une émission. Ou parce que toi, tu as fait une prédication. Est-ce que je suis immature à ce point? Est-ce que je suis faible à ce point? Moi, j'écoute Dieu. Ce n'est pas toi que j'écoute. Je ne vais pas me marier pour te faire plaisir. Jamais. Donc, les gens doivent comprendre qu'il y en a vraiment qui perdent leur temps à la TV. Non, bala, m'kolo ngamoko na kolingana bala, m'kolo nzamba kobisanga bala na bali. Sok na bala na 90 ans, ya yezani nakati. Voilà. Donc, les gens doivent évoluer. Il y en a qui sont mariés, qui sont malheureux. Il y en a aussi qui sont mariés, qui sont heureux. Il y en a aussi qui sont mariés, mais qui font beaucoup de désordres. Il y en a aussi qui sont célibataires et qui vivent leur vie correctement. Vous voyez, la vie ne se résume pas dans le mariage. Le Congo, on avait atteint une dimension où, quand même, pour engager une entreprise, il faut se marier. Dans le monde, il y a longtemps depuis un temps. De combien de temps on a pris dans l'entreprise pour mettre ce poste, il faut se marier. Il y a un monde au Congo, on a beaucoup de gens dans l'entreprise, mais il y a des performants, il y a des gens. Parce que les critères déjà où ils sont engagés dans l'entreprise sont des critères qui n'ont aucun sens. Donc un marié, donc un célibataire à cause de la compétence, parce qu'il est célibataire, il reste là. Mais c'est horrible, c'est une honte pour une nation. Oui, je voyais même à l'époque des pasteurs faire des séminaires, des il y avait plein de choses. Dans mon écoute Kita, dans mon zéba yoka Sony au fait. Ici là, dans mon zéba yoka Sony, parce que non, dites-moi. La Bible a écrit qu'un célibataire ne peut pas servir Dieu. Si c'est le cas, dites-le, sortez un passage biblique et j'abandonne. Mais si ce n'est pas le cas, alors gardez silence, servez votre Dieu. Et puis, les pasteurs qui regardent tout le temps dans les églises des autres ne font jamais prospérer leur propre ministère. Oui. Ngaï, n'attends la Bible. Bible lobby, occupe-toi de tes affaires. C'est la Bible qui dit ça. Occupe-toi de tes affaires, na tes salons. Occupe-toi de tes affaires, de tes. Occupe-toi de tes. Na ki pa kama kam nanga. Voilà, il faut que les gens arrêtent un moment. Je vais me marier le jour où Dieu va me dire, Moïse, ça. So yinza mbe bisinga, Moïse tika la boy. Na ko koufa pe boy. Na ok li felo. To na koma na lola nzambe bisinga koko ta lola te parce que yon zaye célibataire. Les gens doivent évoluer dans ces pays. C'est incroyable. Au moins, on appelle fidèle, puis l'église, on ne peut pas amen. Vous dites amen dans des bêtises comme ça, c'est incroyable. Après, tous les restes de choses, quoi encore, Balobasuni, Gégé, Moïse Mbi et Gégé, voilà, 666, Nanga, franc-maçon, tout ce qu'il veut, Bato Bazara, Nanga Nakatsa Loge, Babimat, Babimisata, ba photo. Si le babimate, babim sape, ba photo te. Ou abkouta nananga na loge mou, ya se manifeste. Biso to abana to kon l'église. To ebele, to to beta to l'ngai, depuis na botama na kota boite de nuit. Non, le bang. Ou aza na photo, to souvenir, otongani to na boite de nuit, abima na TV. Si ko, depuis na botama na melana ou masangate. Je le dis à la télé. Na ebi cigarette te. Vous voyez, nous on a grandi comme ça. Et belé, nabao, bansé l'anzambe lelo, bav tambou l'anzambe, ndipso tambou l'anzambe. Bisoto koli l'anzambe, to vani l'anzambe, tile to bandio se l'anzambe. On a grandi dans des valeurs, nous autres. Bisoto l'aïna ba permanence. Et belé basu ya lelo, ya boum l'imite malobi ya komi apôtre. Nous c'est pas ça. Bisoto ebi, nangane ebi via intercession. Jeune, jusqu'à ce que je suis tombé malade parce que je gênais tellement que je n'ai pas obéi. Vous voyez, il faut avoir un parcours avec Dieu. Ils savent rien. J'entends les gens dire, il ne se marie pas parce qu'il est, quoi, magicien. Je vais vous dire une vérité.
quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit. Et là, comment on a tiré la colobate? J'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. J'ai été président des jeunes. Nazaki président bilingue. Dirigeant des chorales. Nakamba ba chorale. Prédicateur missionnaire. Motei ya motinda. Prédicateur en formation. Motei ya zako. Assistant des pasteurs. Assistant ya ba. J'ai fait ce travail là pendant des années. Nasala musala na ba mvula ebele. Jusqu'à ce que en 2011 au mois de juillet. Kino wapi na 2011 na sans on a décidé de me. L'apôtre Mbi a décidé de faire de moi le pasteur principal ici. Lorsque je suis devenu pasteur principal, la première chose qui est passée dans ma tête, je dois me marier. La première chose qui est passée dans ma tête, j'ai pensé à rien d'autre que les mariages. Une année après, le 14 juillet 2012, notez bien cette, le 14 juillet 2012, je suis allé, moi j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine, je suis marié, vous avez pensé au mariage après moi. Vous tous, Carlos, Silos, vous avez pensé au mariage après moi. Après moi, si moi, il me restait le mariage religieux. Et le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Une très belle personne. Une personne qui n'avait aucun problème. Et j'ai avancé vite. Et je vous parle du 14 juillet. Les 14 juillet. Il y a même des photos. Je vous mettrai ça sur Facebook si vous voulez. Et Dieu m'a dit, vous voulez que je mette ça? Non, mais parce qu'il faut commencer à tout dire. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va, je ne mettrai pas. Vous qui suivez sur internet, l'église m'a refusé, donc je ne mettrai pas. Alors, écoutez-moi. Jusqu'à ce que au point où ça a évolué, mais Dieu m'a dit, Moïse, tu dois faire les choses dans ma volonté. Tu n'es pas tout le monde. Tu dois faire un pas si moi je t'autorise. Écoutez, vous acclamez, mais je souffre. Je souffre. Tous les jours de ma vie, lorsque je vois les gens faire de mon célibat leur sujet principal de leur ministère. Mais moi j'avais pensé au mariage avant plusieurs là qui sont en train de faire des bruits. Vous voyez ça? J'étais jeune. J'avais pas la barbe aujourd'hui comme Muyombe gauche, non. Vous voyez ça? Parce que je voulais tellement, je disais à Dieu, Seigneur, que je finisse avec toutes ces choses. Mais Dieu m'a arrêté. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu m'a dit, cette personne n'a pas de problème. Sa famille n'a pas de problème. C'est juste que toi, tu dois faire les choses dans ma volonté, à temps, mon temps. Et depuis 2012 jusqu'aujourd'hui, je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Je ressemble à cette fille. 12 poumons, tu es là. Chaque fois que je te dis de prier, quelle intention de prière je te donne le plus? Mon mariage. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'ai prié pour ça. Je dis pas un seul jour. Pas un seul jour. Où je demande même la prière des hommes de Dieu. Je dis à Dieu, dites à Dieu de m'autoriser.
Parce que j'attends que son go.
Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Starte la danse du moment. Mondel. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h, billetterie au point de vente habituel.